label dans le cadre du projet a fait l'acquisition d'un certain nombre de tablettes en destination de ces communes. Et avant de mettre ces tablettes à leur disposition, nous avons procédé à une identification des personnes et ressources, ceux qui vont bénéficier de ces tablettes. Donc nous avons choisi des points focaux au niveau des quatre communes et ces points focaux vont servir de relais. D'une part, déjà, pour faire la jonction entre les informations disponibles au niveau de la direction régionale de l'hydraulique en direction de ces communes. Et d'autre part aussi, ces points focaux vont servir à actualiser les informations concernant les ressources en eau. C'est vraiment une tablette révolutionnaire. Elles sont plus pratiques, plus faciles, plus adaptées et qui vont vraiment nous permettre de faciliter le travail. Le courage va permettre d'abord non seulement de mener un suivi irrégulier des ressources en eau, mais encore surtout de parvenir à une gestion durable et rationnelle de l'ensemble des ressources en eau dans les quatre communes d'intervention du projet. C'est dans le cadre du résultat cadre, donc qui consiste à l'accompagnement des acteurs locaux, donc dans la connaissance sous format digital des ressources de leur localité. Une première mise à niveau a été faite pour que vraiment les points focaux qui vont être sélectionnés pour les utiliser puissent vraiment les utiliser à bon escient. Deux outils nous ont été présentés qui nous permettent vraiment, qui sont très pratiques, qui nous permettent de faciliter la collecte. Nous venons aussi d'apprendre que le segment a beaucoup évolué. Du Sigma 1, aujourd'hui, on est au Sigma 4. La base de données Sigma, comme son nom l'indique, a pour objectif vraiment d'aider l'ensemble des intervenants du sous-secteur eau dans leur planification, leur programmation et la prise de décision dans l'élaboration des projets et programmes et dans leur exécution. Le but de cet équipement, c'est de permettre à ces différentes communes d'avoir accès à l'information digitale.